Et donc, alors, et c'est complètement difficile parce que, et avec les temps, avec le climat, donc, ben là, et parfois, je me une route souvent, ben, molleton, ben, jacket, et ben, pullover, et ben, tracksuit qui sont en abri, une coupe qui sont en abri, et qui ont récupéré dans le dos cassé, right? Et qui, complètement difficile, chaque temps en temps, peut une route d'un molleton, et un autre molleton, drap, tout bande d'affaires qui nous capable de donner. Et pour être capable afin que je sois capable de faire face avec le climat d'hiver en ce moment. Et avoir un repas chaud pour un sans-abri, c'est comme on dit, une loterie. Et gagner un molleton qui dit paye, qui dit pas capable d'acheter, c'est comme on dit, un trésor. Hein. Alors, depuis quelques temps, nous peut cause ben, un rajeunissement des sans-abri. Hein. Un premier rajeunissement, malheureusement, dit comme ça, c'est ben, des gens qui sont dans un shelter, quel que soit le shelter, hein, ou ben, oh, YCC, tout ça là. Quand on gagne 18 ans, et la majorité, côté parents, ils n'est plus prendre de compte, ils n'est plus pour accueillir les autres. Alors, que fait-on de ces jeunes? Et quand les autres pour l'arrivée, quelle serait notre croissance, que ce soit psychique, psychologique, mais aussi et le développement physique? Comment les autres pour vivre l'arrivée? Sinon, guetter un peu qui manière les autres qui ont l'expérience de l'arrivée.